allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tag. Oui, il y a une abonnée qui m'a demandé plusieurs fois de faire la vidéo sans question que personne ne pose. Donc du coup, je vais répondre à ce tag. J'ai mon petit téléphone et c'est parti parce qu'il y a quand même 100 questions. 1. Tu dors avec la porte de la chambre ouverte ou fermée? Alors, fermée l'hiver, ouverte l'été? Ça marche ou pas? 2. Emportes-tu des échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Oui, je les emporte toujours. Tu es dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Pas fait du tout. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, jamais. Utilises-tu des post-it? Oui, beaucoup. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Ça, c'est genre ma life. Je fais toujours ça. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Par un ours, je crois. Parce que si le but c'est d'être tué de toute façon, je préfère un ours, ce sera moins douloureux. As-tu des taches de rousseur? De temps en temps l'été ici, mais pas vraiment. Souris-tu sur toutes les photos? Non. Quel a été ton plus gros caprice? Mon plus gros caprice? Je dirais nuts. Ouais. Je voulais absolument ce chat et avec du recul c'était peut-être un petit peu trop un caprice. Enfin un caprice, un coup de tête. C'était plus un coup de tête qu'un caprice, mais voilà. Comptes-tu les marches quand tu les montes? Non. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Non plus. Et la grosse commission? Non plus. Je suis quelqu'un déjà dans les toilettes publiques, c'est très compliqué pour moi de faire pipi, donc c'est mort. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, ça m'arrive souvent. Mâches-tu les bouts de tes stylos et crayons? Ouais, j'ai remarqué que je faisais ça. Je le fais pas consciemment, mais j'ai remarqué que je le faisais inconsciemment parce que j'ai des... à mon boulot. Donc il y a que moi qui utilise ces stylos, parce que c'est ma mère ou moi, et ma mère, je sais qu'elle aime pas les stylos que j'utilise. Il y a des coups de dents dessus. Donc à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne mâchouiller mes stylos dans la nuit. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah étant donné qu'on est lundi, zéro. Mais sinon, une, mon mari, sauf si Maya compte, ben ça fait deux. Quelle taille fait ton lit? C'est un 2 mètres sur 1,60. Non, je sais pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. C'est un 2 personnes de taille Ikea, parce que je sais qu'Ikea, ils ont pas les mêmes tailles que tout le monde. Quelle est ta chanson de la semaine? Coach de Soprano, je la kiffe en ce moment. Est-ce ok de porter du rose? Ouais, grave. Regardes-tu encore les dessins animés? Ben ouais, c'est la base. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Eh ben, j'ai été voir samedi Toy Story 4 au cinéma, il est trop bien. Où cacherais-tu ton dessin si tu en avais un? Bah, je le dirai pas, parce que si je le dis, c'est plus un secret. Enfin, en gros, si j'ai un trésor, vous allez le trouver, c'est mort. Que bois-tu en mangeant? Principalement de l'eau ou du coca? Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? La sauce pomme frite. Non, pas la sauce pomme frite, n'importe quoi. La sauce potatoes, pas la sauce pomme frite, justement l'autre. Quel est ton plat préféré? Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'aime beaucoup de plats et je ne sais pas dire lequel est mon préféré. Je dirais peut-être de la choucroute quand même. Quel film pourrais-tu regarder encore, encore et encore l'aimer? Un film? Taxi. La dernière personne que tu as embrassée, mon mari. As-tu fait les scouts? Non. Poserais-tu dénudée pour des magazines? Non, je crois pas. Après, ne jamais dire jamais, je ne sais pas ce qui m'arrivera dans le futur, mais là, maintenant, vu mon rapport avec mon corps, c'est mort. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Eh ben, vendredi. J'écris encore des lettres. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Heureusement, parce que sinon je ne sais pas comment je ferais. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui, une seule fois. Genre j'ai dû faire un excès de vitesse dans ma vie et je me suis fait... Je me suis fait prendre. Voilà, mon mari roule tous les jours en excès de vitesse et je ne vais jamais le prendre et moi je me suis fait prendre. Tomber en panne d'essence de voiture? Oui. Mais c'était à faute de mon mari. Deux fois en plus, je crois qu'il me l'a fait. Deux fois ou trois fois? Non, deux fois. Deux fois. Une fois, on était en Normandie. Donc, on n'a pas eu le temps de vraiment tomber en panne parce qu'on s'arrêtait avant. Mais la
Deuxième fois par contre, enfin la première fois du coup, c'était la première fois, c'était en Lorraine. C'est parce que alors, il prenait la voiture de ses parents. Désolée du bazar, c'est les chats qui pètent des plombs, je sais pas ce qu'ils ont. On était chez ses parents et ses parents avaient une voiture qui n'avait un Scénic où le tableau de bord était mort. Et ils avaient, enfin tous là, ils avaient, enfin, son père et Luc, ils avaient mal calculé en fait le nombre de kilomètres que pouvait faire la voiture. Et donc du coup, en fait, on voyait plus la jauge d'essence et on est tombé. Voilà. Ton sandwich préféré? J'adore, c'est les sandwichs pain viennois, mayonnaise, crudité, jambon. La meilleure chose au petit déjeuner, du pain de mon papa. La grosse paillade, bonjour. Et mon père est boulanger, mais il habite en Normandie, donc ça fait un peu loin pour me livrer tous les matins. Pain, beurre au cristaux de sel, confiture. Et un pain au chocolat. Et un chocolat chaud, bien évidemment. Avec un jus d'orange. Ça fait beaucoup, je sais. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Je suis le genre de personne qui va se coucher. J'ai un bouton dans le bas du dos, mais énorme, les gars. Il me gratte en plus. Ah, ça y est, je commence à me faire bouffer par les moustiques. En principe, je vais me coucher vers 21h, dans ces eaux-là. Es-tu feignante? Oui, beaucoup trop même à mon avis. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? En sorcière. Mais en jolie sorcière. Non. Ah non, c'était pas en sorcière, c'était en chauve-souris. Chauve-souris violette. Oui, c'était chauve-souris. Quel est ton signe astrologique chinois? Je ne sais pas du tout. Je suis Sagittaire, née en 97. Si quelqu'un sait, mettez-le moi dans les commentaires. Combien de langues peux-tu parler? Une, le français, c'est tout. Je parle un peu anglais, je me débrouille, on va dire. J'arrive un peu à comprendre et à me faire comprendre. Mais alors, je dis pas que je parle anglais. Es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? Playmobil, ni l'un ni l'autre, honnêtement. J'ai toujours été très Playmobil. Es-tu têtu? Oui, beaucoup trop aussi. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut, à 100%. C'est genre... voilà, c'est Jean-Pierre. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, oui, oui. As-tu peur du vide? Oui. Chantes-tu dans la voiture? Non, jamais. Si, beaucoup. Chantes-tu sous la douche? Non, sous la douche, ça va. Danses-tu dans la voiture? Oui. As-tu déjà utilisé un pistolet? Oui. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, ça devait... bah, c'était à mon mariage. Aimes-tu des comédies musicales? Pas tellement. Noël est-il stressant pour toi? Oui, beaucoup. C'est très stressant. As-tu déjà mangé un pierogi? Non. Ta tarte aux fruits préférée? Celle à la framboise. Celle à la framboise ou celle aux fruits frais de mon papa? Oui, je sais, désolée, je fais ma grosse paillote, mais en vrai de vrai... J'avais jamais goûté une tarte aux fruits frais et mon père, enfin sa boulangerie, ils en font. Je m'en éclaterai le bide. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Vétérinaire, enfin assistante vétérinaire. Je voudrais toujours faire assistante vétérinaire, sauf que le problème qui se pose, c'est que, eh ben, je suis phobique du sang. Mais ça, je l'ai appris quand j'ai fait mes premiers stages. Crois-tu aux esprits? Oui. As-tu des impressions de déjà vu? Oui. Prends-tu des vitamines? Non, parce qu'elles ont toutes un goût dégueu et que moi j'ai un gros problème avec les médicaments. Si ça a un goût dégueu, c'est mort, je peux pas prendre. Donc voilà. Portes-tu des pantoufles? Alors moi j'appelle ça des chaussons et oui. Oui. J'en porte. D'ailleurs, vous dites chaussons, pantoufles ou patins? Parce que je sais qu'il y en a qui disent patins, les Lorrains ils disent patins. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que je porte un peignoir? Non. Que portes-tu pour dormir? Alors, jusqu'à 2-3 mois en arrière, je dormais en pyjama, vraiment de la tête aux pieds. Pour des raisons qui me sont propres. Et en fait, depuis pas longtemps, je dors en culotte, tout simplement. C'est peut-être à cause de la chaleur aussi. Hein. Ton premier album reçu? Ça devait être Priscilla ou Laurie, un truc comme ça, je pense. Je pense Laurie. Carrefour, Delhaize
ou Lidl, Carrefour, les gars, Carrefour. Je vous jure, quand j'étais en Lorraine, j'étais dépitée, il n'y avait pas de Carrefour. J'étais au bout de ma vie. Enfin, de gros Carrefour, vous voyez, gros Carrefour. Il n'y avait que des tout petits Carrefour ou un jus de pomme, ça coûte 6 euros. Nike ou Adidas? Nike. Hamburger ou frites? Frites. Champ de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. Déjà entendu parler du groupe? Très bien. Pas du tout. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'en ai pris pendant des années. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Bah, mon mari, il est accompagnateur, donc... Enfin, il est homme toute main. J'ai horreur de ce terme, mais c'est ce qu'il est, donc voilà. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. Je peux pas. Bah, c'est tout. As-tu déjà gagné une coupe? Je ne crois pas. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. As-tu un quelconque vinyle? Non. As-tu un tourne-disque? Non. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non. Ma mère, elle en brûle beaucoup, mais moi non. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bah oui. Qui aimerais-tu voir en concert? Big Flo et Oli. Genre, ce serait mon saint graal, les gars. J'aimerais tellement. Rien que d'y penser, j'ai... Pouf. Le dernier album que tu as acheté? Waouh. Aucune idée. Franchement, aucune idée. T'es chaud ou t'es glacé? T'es glacé. Thé ou café? Si on doit vraiment choisir thé, mais j'aime ni l'un ni l'autre. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Alors, avec du sucre, hein, du coup, parce que... J'ai vu que j'aime pas ça, je blinderai ça de sucre. Sais-tu bien nager? Je ne sais pas nager. Voilà. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Ouais, je crois. Oui. Es-tu patiente? Pas du tout. DJ ou groupe pour un mariage? Un DJ. On a eu un DJ. Enfin, c'était pas des DJ, c'était des animateurs. Ils s'appelaient des animateurs. Olive noire ou verte? Ni l'une ni l'autre, j'ai horreur de ça. Mais vraiment, si je devais choisir, ce serait verte. Sais-tu coudre ou tricoter? Alors, je savais tricoter quand j'étais petite, mais je serais incapable de le faire. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Veux-tu te marier? Je suis déjà mariée. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Ça va faire un an au mois d'août là. Du coup là, dans 3 jours, ça fait 11 mois. Waouh, ça fait trop bizarre de se dire ça. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Ah, je pleure jusqu'à temps que ça aille mieux. Bon, alors là, je chiale, mais je suis une vraie chialeuse. As-tu des enfants? Non. En veux-tu? Oui. Oui. Quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup de couleurs. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Non, j'aime beaucoup. J'aime toutes les couleurs en fait. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui, mon grand-père. Regardes-tu Koh-Lanta? Non, pas du tout. Et voilà, c'est fini. J'ai répondu aux 100 questions. Waouh, en fait ça va, ça a été vite. Enfin, j'ai essayé de faire très bref et très rapide. J'espère du coup cette vidéo vous a plu. Et puis à l'abonné qui voulait absolument que je la fasse, voilà, c'est fait. J'ai tenu ma promesse. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à répondre à ces questions. À me dire si vous êtes comme moi ou non. Voilà, peut-être répondre à quelques-unes, pas forcément toutes. Mais j'ai un bouton mais énorme les gars dans le dos. Oh, je peux pas vous montrer parce que c'est à la limite des fesses, donc je vais clairement pas vous montrer mes fesses, mais il est énorme. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée si vous regardez ça en journée en fait, parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de faire des lives que je souhaite une bonne journée, mais en fait ça se trouve vous regardez ça le soir. Bref, je vous souhaite une bonne journée, semaine, mois, soirée, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle vie en tout cas. Voilà, ce sera plus simple. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous !